pas qu'à gagner unité. Et bien, tout en orgueil a détruit l'unité, qui ça l'humilité a fait? L'a restauré l'unité. Deuxième élément que je t'ai aimé attirer l'attention nous sur lui, c'est la douceur. Encore, c'est une autre vertu qui perdue. Lorsque vous regardez un monde qui est doux, de caractère, vous dites, ah, ça sont égarés. Ah, ça sont moutons qui égarés. Ce n'est pas ça non plus. Songez bien Jésus-Christ dans Matthieu 11, verset 29, qui ça le dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Yon moun ki doux, ça pa vle di que moun nan li inférieur par rapport à l'autre moun. Yon moun ki doux, ça pa vle di que ou ka fè n'importe bagay pour ça. Yon moun ki doux, ça pa vle di que le pa ka réfléchi. La douceur li pa fè yon moun vin inférieur, la douceur li pa diminue sou caractère yon moun. Mais la douceur, c'est la force maîtrisée. Et généralement, nous dit la force est calme. Si pour l'humilité, il y a un monde qui n'est pas humble, c'est un monde qui est orgueilleux. Et pour la douceur, il y a un monde qui n'est pas doux, c'est comme lié, c'est un monde qui est violent. Je raconte bien. Peut-être c'est une illustration que nous connaissons déjà, que m'apprend pour nous. C'est monsieur ça qui a une belle voiture de grande marque. Et puis il toujours a assuré que la voiture est en très bon état.